Recommence ta vie de zéro. Instant pause. Quitte à devoir faire la route ensemble, rendons cela plus agréable en nous tenant la main. Qu'est-ce que tu me fais là, frangin? Tu serais pas un coureur de jupons? Dis ce que tu veux, mais j'ai l'habitude, alors... Bon, ne sois pas si craintive. Mais pourquoi t'es aussi familier? Tu sais, je vais vraiment avoir besoin d'un mode d'emploi si je veux devenir l'ami d'un chaton inquiet comme toi. Mais cependant, si tu étais vraiment contre... Tu m'en empêcherais, n'est-ce pas? Comment as-tu... Compris. Tu penses vraiment que je suis si stupide? Je tiens à te dire que j'ai des ancêtres très nobles. Bien sûr, je bluffe totalement. Donc tu ne vas pas te fâcher? Étant donné la manière dont je m'y suis pris, je ne peux pas vraiment t'en vouloir. Mais en ce moment, perdre du temps est la seule chose que je peux pas me permettre. Conduis-moi vite à la maison du Rustler, s'il te plaît. J'y comprends vraiment plus rien. Mais bon, une dette est une dette, c'est d'accord, je vais t'y emmener. Ouais, merci beaucoup. Mais avant toute chose, dis-moi, pourquoi t'es l'heure si pressée? Tu dois arriver à l'heure quelque part? Oh, l'heure! Vous avez aussi ça dans votre monde? Hein? Felt, tu peux me dire ce que les gens utilisent pour dire l'heure ici? T'es vraiment désespérant. Mais bon, d'accord. Tu sais quand même que la journée est divisée en heure claire et en heure sombre. Quelque chose comme le matin et le soir, j'imagine. Ainsi, là, il est 10h claire. Tu as compris? C'est pas du tout une explication! D'ailleurs, vous avez pas de montre dans ce monde? Des montres? Tu parles des cristals de vision? C'est ça votre montre à vous? Il change selon les moments de la journée. De minuit jusqu'à 6 heures claires, il monte l'élément du vent. Pour les 6 heures lumineuses suivantes, c'est l'élément du feu. Ensuite, pour les heures sombres, c'est l'eau puis la terre. Oh, donc il change de couleur! Exactement. Pour le vent, c'est le vert, le feu, c'est le rouge. D'accord, d'accord. De toute façon, je crois avoir compris. C'est bon, merci. Mais c'est toi qui voulais savoir. Tu te fous de moi, t'es vraiment trop con? Impossible que je me souvienne de tout ça, de toute façon. Merci. Non, mais t'es vraiment qu'un gosse. J'essaye d'être quelqu'un de bien, en tout cas. Sois fort, disent-ils, t'es sur la bonne voie. Attends, tu m'encourages là? Qui sait?